Dans une grosse occasion ça qui sont occasions côté nous font paquet de temps à discuter ensemble d'organisation pour nous arriver mettre sous place plateforme ça qui c'est plateforme haïtienne des organisations des travailleurs et travailleuses en éducation fautée. Et objectif conférence qui nous dit là c'est pour nous informer communauté nationale et internationale là en particulier enseignants yo ak tout l'autre monde qui travaille dans le système éducatif là qu'on ait une nouvelle plateforme qui existe dans le secteur. Présenter nouveau plateforme ça organisation qui composait émission à objectif plateforme nan. Analyser dernière décision autorité dans l'état à prendre en dedans pays en général dans le système éducatif là en particulier dans pendant la pandémie COVID-19. Là. Proposer quelques mesures autorités doivent prendre pour réouvrir l'école là après et pendant la pandémie. Présenter la plateforme, là, comme nous l'avons dit déjà, la plateforme là, composée d'un ensemble d'organisations qui sont habituées, bon, ensemble d'organisations d'autorité dans le système éducatif là, qui c'est Fédération nationale travailleur en éducation à Kilti, FENATEC, syndicat personnel, ministère éducation nationale et formation professionnelle, qui c'est SPEMEF, corps national enseignant haïtien, CONE, rassemblement enseignant pour progrès Haïti, REPRO, regroupement normalien haïtien, RENO, mouvement enseignant l'école nationale MEN. Comme nous dit déjà mission plateforme non, c'est défendre droit tout travailleur et travailler dans le système éducatif là. Travail pour améliorer vie et conditions de travail ensemble de personnel enseignant administratif en dans ministère national en dans lycée école nationale yo et FACAP yo. Et vrai tout à émergence un nouveau système éducatif. Et nous pensons aujourd'hui, pour COVID-19, là, ben nous avons l'autre occasion pour nous penser système éducatif nous. Hein? Et que nous-mêmes nous avons posé plusieurs longtemps, ça nous a boumé, nous avons dit système éducatif là, il y a un pile problème, il faut que nous travaillions pour nous améliorer le système. Là. Et aujourd'hui, nous avons COVID-19 là, mettez-nous à nu par rapport avec l'évolution. Système éducatif noir. Et plateforme haïtienne de travailleurs, organisation de travailleurs et travailleurs en éducation, FOTE, mission nous, c'est pour nous mettre toute organisation, surtout nous-mêmes, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous capables de travailler en synergie ensemble, et pour nous défendre bien droit tout travailleur et travailleur en éducation. Yo. Et me penser en gros, c'est ça qui gagne comme objectif nous. Jodia qui fait nous-mêmes nous arriver mettre plateforme haïtienne des organisations et des travailleurs et travailleuses en éducation sous pied pour nous bralguer pour nous mettre nous ensemble pour nous défendre position nous défendre système éducatif là en général. OK. Passez mon côté au cache déjà. OK. Ouais, nous dans point 3, dans point 2 analyse dernière décision autorité dans l'état prend en dans pays en général et dans système éducatif en particulier. Avant de commencer avec point 3, n'a permettre moi non faute. Voyez c'est parti nous bail camarade Joseph Mérilien que qui sont à peine victime tout dernièrement, nous souhaiter que les joignent justice. Et sympathie nous aussi ba Guinée Radio Télé Guinée jodi a k'ap pran kou parce que nous connaissons s'il pas t'ap pran kou ça ou t'ap la jodi a. Et mais comment pote analyser situation a? Gouvernement te pran mezi pour fermer l'école, l'université et factory dans l'idée pour éviter corona propager dans pays a. Pendant te gen deux grain cas seulement. Jounen jodi a gen plusieurs dizaines et puis yo di nou gen plusieurs moun qui commencent à mourir alors que li prend décision pour relouvrir factory comme si pas de rien. Fote a mandé qui importance dernier mezi sa yo te genyen. Est-ce que l'état te prend décision sa yo nan cadre pour protéger et patron yo ou bien pour protéger et ou bien dans intérêt ouvrier à ouvriers yo?
Est-ce que le gouvernement prend des décisions autour dans l'objectif pour atterrir à tort ou à raison projet l'amour ministre à vos publics là qui souhaitait ramasser 1500 cadavres par jour? Gouvernement prend des décisions pour tester seulement les gens qui font partie des cas suspects. Pourtant, il n'a pas porté aucune attention à ce qui aurait été porté à Saint-Omio, cap si maillé maladie. Faut-il demander, est-ce qu'on met des comme ça qui empêche la maladie à propager dans la population effectivement? Le gouvernement prend des mesures pour fermer l'école à l'université pour éviter la maladie à propager dans l'école à l'université, c'est un bon bagage. Les premiers tours pour l'école là continuer à fonctionner à travers radio, télévision et internet, c'est un autre bon bagage encore. Mais faut te demander, est-ce que mes ça a privé toucher tout le monde, l'elle considéré, c'est pas tout le monde qui a accès à internet et courant électrique, téléphone intelligent et la trier. Gouvernement prend mes pour subventionner enseignant l'école université privée yo, subvention ça yo aller droite. Et sous compte l'école à l'université privée. Ça veut dire que c'est directeur, directrice, recteur qui a bien pour décider ça y a fait avec l'agence. Il faut te demander est-ce que comme ça a privé un enseignant vrai ou sinon qui quantité qui a privé un jeune, elle considère que la direction de l'école qui n'a pas bien compte, c'est dans comme ça y a l'ouvrir compte. Yo. Gen direction de l'école qui n'a pas bien patente, c'est dans comme ça y a l'ouvrir et y a le fait patente. Yo. Est-ce que enseignant yo a privé joine l'agence a vrai autorité ministère l'éducation nationale yo pour résoudre problème l'école là prend mesi pour mettre sous pied seulement une plateforme numérique pour continuer à scolariser quelques grands élèves dans pays a pourtant yo pas jamais pensé réfléchir sur comment yo pral faire pour protéger et pour profiter opportunité covid 19 là bas pour arriver faire l'école la fonctionner yon l'autre jan dans pays d'Haïti. Faut te demander pour qui sa autorité yon pa mette accent sur nouvelle réalité kap tant si moun yon après passage COVID-19 la. Par exemple, le ministère a te doué déjà à réfléchir sur comment l'école la pral relouvri parce que puisque nous nan COVID-19 la, pa gen moun ki konnen ki le la passe, ki le la fini net. Donc c'est en réalité nous pral apprendre vivre avec. Ministère était supposé à penser déjà comment il pral faire pour réouvrir l'école là par exemple, il était réouvrir l'école là. Et nan mois d'août là et fait examen pour ti moun qui pas dans classe d'examen, le nous ti classe d'examen philo et 9e année, fait examen pour yo en mois de novembre et puis fait examen officiel yo nan mois de décembre. Et ouvrir l'école là l'autre année l'école là il a ouvert en janvier 2021. C'est sous bagay sa yo ministère était supposé mettre accent en attendant. Nous tendez l'état tout premier pour mettre camper un groupe scientifique pour suivre évolution COVID-19 là. Bon, nous pas connaître et dans qui laboratoire et mon scientifique mon ça a évolué effectivement qui invention yo fait déjà. Donc pour qui ça l'état pas mettre prend bon gens mesi pour investir dans bon gens recherche pour arriver à affronter problème qui lié à maladie pandémique dans pays. Quelques recommandations pour le gouvernement joute et Moïse joute là avec ministère éducation nationale et organiser plateforme nan a demandé et gouvernement Moïse joute là pour prendre bon gens mesi pour empêcher corona la été colle plus dans pays a. Tant que dépistage population, distribution bon gens masse, réorganisation marché et transport public, pour bien gérer la pandémie COVID-19 là, dans toutes dimensions, pendant la éviter tout gaspillage, ressources, moun, matériel et économique, pour mesurer parole et abdi dans les médias, pour éviter confusion dans la population, pour respecter l'engagement qui est pris avec l'école et l'université privée, pour profiter passage COVID-19 là pour Haïti sortir dans système éducatif bâclé dans ignorance fait noir avec sous-développement chronique ça pour augmenter budget éducation pour investir dans recherche qui c'est un dans moteur développement durable pour gain bon gens laboratoire langue informatique avec laboratoire sciences expérimentales dans pays pour ministère éducation nationale faut demander et autorité au prend bon gens mesi pour permettre tout enseignant qui gain lettre dans main yo cap travail dans classe yo effectivement toucher l'argent yo doué yo sans perdre temps pour dossier enseignant suspend disparaître dans direction ressources humaines nan et ministère pour river chita presser à tout et
acteurs qui organisent dans le système éducatif là dans l'idée pour joindre bon gens et stratégie qui ca permettre l'école la réouvrir dans intérêt tout si monde pour créer une bon base de données pour enseignants privés et université yo. Et le ministère doit utiliser base de données ça yo la fait prochaine subvention hein, pour l'agence ça aller sous compte enseignant yo directement l'elle considérer enseignant yo pas besoin rien du tout dans l'agence ça. Et puis ministère là doit mettre accent tout sur comment li pral faire pour gérer timoun yo dans l'école yo. Par exemple, l'école yo pas de bon gens de l'eau pour timoun yo boire. Timoun yo c'est de l'eau donc si moun yo pa konn bwè bon jan de l'eau basique, c'est de l'eau acide qui a détruit ti moun yo, c'est yo même ti moun yo te gen dans l'école yo. Eh bien, pour système ti moun nan, système immunitaire ka renforcé vrai, l'état doit maintenant qu'on y a mettre dans l'école yo bon jan de l'eau basique pour ti moun yo bwè de l'eau pH est supérieur à 7 comme nous connaît là et potentiel d'hydrogène nous tout comme ça. Et puis pour l'état mettez bon gens de l'eau pour timoun yo laver men yo boire et puis enseignant yo a toujours un peu dans de l'eau ça autour pour yo boire. Si nous y a question poser yo mettez là. OK, nous on va faire une éducation de qualité pour une société juste, égalitaire et inclusive. Oui. Comment nous maintenant faut-il nous compter faire slogan ça on réussit tout bon. On est dans le système éducatif. Nous avons fait avancer là. Pour faciliter la tâche. Vous avez une question à prononcer, s'il vous plaît. Oui, nous, ça, c'est. Nous avons fait un slogan, nous. Une éducation de qualité pour une société juste, égalitaire et inclusive. Mais comme responsable, on est dans le fauteuil pour aller faire un slogan, ça, vraiment, une réalité. Parce que jusqu'à présent, il est écrit. Hein? Oui. Nous n'avons pas capables de prendre une initiative pour nous faire slogan d'une réalité comme quoi c'est déjà nous pas faire application de lui-même pour que c'est parce que nous pas l'État. Alors sans soi. C'est pas seulement en soi, non. Nous pas l'État. Nous pas l'État. Et il y a des décisions nous pas capables. Mais toutefois, nous sommes capables de porter l'État à faire soyez venir en réalité. Dans différentes luttes que nous avons menées, nous menées pour ça faire. Et par participation par nous tous, si l'État a demandé participation par nous, il a demandé que pour voter, porter sale capable en termes d'idées pour ça capable faire pour venir en réalité parce que nous gagnons grand pile dans pile dans organisation qui là qui gagne déjà des slogans de ce genre et si nous prenons code par exemple il y a un slogan qui dit c'est pas seulement code en pile dans nous qui te dit en général plutôt qui dit une éducation de qualité, c'est bon gens outils pour bâtir pour rebâtir Haïti. C'est à dire que nous gagnons ça déjà. C'est pas bon tout ce qu'on a inventé, mais nous t'apprenons que nous avons passé gourmand pour ça t'a fait. Mais malheureusement, nous avons toujours rencontré des embûches. Quoique, nous avons toujours gourmand pour porter l'État à mettre en Haïti en éducation de qualité. De façon pour former des citoyens de qualité, nous devons même dire ça, et des pour être capable de former des gens, ça, des jeunes qui capable penser le développement durable, qui capable d'avoir une participation réelle dans la production, dans la transformation sociétaire. Nous comptons fonds libres. Face à $50 pour dis déjà tu commences déjà si vous voulez parler de $50 nous connaissons jusqu'à présent la touche mais pas jamais les monde qui connaît non et vous voulez parler de FND oui fonds ça FND fonds national éducation
nous pouvons commencer à entamer une lutte directe vraiment en dans fouté pour nous capables de faire des explications à propos de l'utilisation de l'agence.